Il a envoyé la parole et la parole est guérie. Oh bien-aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu. Commence à disposer ton cœur et tes pensées. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, enseigne-moi ta parole. Tu vas prier pour l'homme de Dieu qui va nous prêcher la parole. Que le Seigneur puisse l'utiliser comme un simple instrument. Qu'il soit rempli de la puissance de Dieu. Qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour la prier? Alléluia. Thank you.
acclamer le Seigneur. Les serviteurs étaient venus des jours de honneur. Et c'est quelqu'un qui fait pousser les cris de joie. Les cris de joie. Les cris de joie. Pour accueillir la parole de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vivant. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Quelqu'un dans la salle. Amen. Le micro là, il ne répond pas bien. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour cette rencontre. Car la Bible dit, rien ne peut se faire si Dieu ne le permet. Si nous sommes là, c'est Dieu qui a permis que nous soyons là. Quelqu'un peut dire amen. Alors comme nous sommes là, nous sommes devant la table du Seigneur. Nous sommes venus manger la nourriture spirituelle. La nourriture qui donne de la vie. La nourriture qui délivre. Cette nourriture est automatiquement le médicament qui guérit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je viens fortifier une personne. Je viens fortifier une femme. Je viens fortifier un homme. Parce que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ te connaît. Jésus-Christ me connaît. Il nous connaît tous. Il connaît nos besoins. Alléluia. Alléluia. Il entend nos cris. Et aujourd'hui, il vient pour te fortifier. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Yahweh. La semaine dernière, je n'étais pas là. J'étais invité quelque part au sud de la région parisienne. Donc au moins 3 heures de route. Et gloire à Jésus parce que Dieu s'est manifesté. Amen. Amen. Et les enfants de Dieu de ces contrées et vous ont envoyé aussi des bonjours. Amen. Est-ce que vous les acceptez? Amen. Et si c'est là, et amen, on a ce matin, je viens parler à toi qui es peuple de Dieu. Sur un thème qui est intitulé Bat-toi pour saisir ta destinée. Bat-toi pour saisir ta destinée. Ce matin, je veux dire à une personne de se battre pour saisir sa destinée. Dieu a préparé une bonne destinée pour toi. La vie que tu es en train de vivre en ce moment. Peut-être ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta destinée. Tu n'es pas encore arrivé à ta destinée. Ta destinée, tu n'as pas encore saisi. C'est pour cela que tu es là, toujours à pleurer. C'est parce que tu n'as pas encore saisi ta destinée. Lorsque tu saisiras ta destinée, tu vas glorifier le Seigneur. Tu seras pris dans la tristesse, tu seras pris dans les demandes.
Mais si c'est l'obligation toujours de glorifier le Seigneur. Alléluia. Ouais. Parce que tu as cessé ta destinée. Dieu a préparé une bonne destinée pour toi. Mais pour saisir ta destinée, pour arriver à ta destinée, il faut se battre. Je parle à une personne. Alléluia. Il faut se battre. Il vient à l'église, c'est bien. Il prie, c'est bien. Mais n'arrête pas seulement à prier. Il faut que ta prière soit accompagnée des actes. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Nous sommes chrétiens, tout ça, nous sommes à Kossala, mais tu ne te bats pas. Nous les chrétiens, nous sommes là, Dieu va se manifester, car si au bout d'un côté. Bien aimé, oui, Dieu va faire et il fera. Mais pour que Dieu puisse faire, il faut que toi-même aussi, tu puisses te battre. Je parle à une personne. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. C'est quoi la destinée? Jérémie 29, chapitre 11. Dieu dit ceci. C'est bien ce passage. Dieu dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc Dieu a préparé quelque chose de bon pour toi. Amen. Est-ce que c'est amen? Amen. Amen. Si c'était Amen, tu allais dire Amen. Dieu a préparé une bonne chose, une bonne destinée pour toi. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix. Et non de malheur. Pour vous donner un avenir. Donc, Dieu veut que tu sois en bon terme avec lui. Dieu veut que tu saisisses ta destinée. Dieu a préparé quelque chose de bon pour ton avenir. Dieu ne veut pas que tu sois dans le pleur. Quand tu es dans le plan, ce n'est pas Dieu. Il faut le savoir. Quand tu es dans la souffrance, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Alors la destinée, c'est quoi? Les gens définissent la destinée de leur manière. L'Académie française a signifié la destinée de sa façon. Mais moi, je vous l'ai dit aujourd'hui. Que la destinée signifie ce que tu dois et tu vas être. Alléluia. Amen. Ce que tu dois être. Mais ce que tu vas être. C'est ça la destinée. Ce que tu dois être, c'est ta destinée. La destinée signifie encore ce que ton cœur désire. Le cœur de l'homme désire
être dans la joie. Motema ya moto ezalaka na posa ya kozala na esengo. Vivre une vie heureuse. Koumela na esengo. Dieu veut que tu vives une vie heureuse. Posa ya nzambe ezali ete ozala na bomoya. Alors ce que ton cœur désire. C'est ça aussi ta destinée. Et il y a quelqu'un qui aime vivre dans le malheur. Est-ce que c'est une moto à l'ingi à ouvrir la carte n'a pas si? Alléluia. Il y a quelqu'un qui aime vivre dans le malheur. Tout le monde aime vivre dans la joie. Dans la abondance. Avoir une bonne famille. Avoir des enfants. C'est ça ta destinée. La Bible dit dans le livre de Psaume 37:4. Fais de l'Éternel tes délices. Et il donnera ce que ton cœur désire. Donc c'est ça ta destinée. Fais de l'Éternel tes délices. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu. Nous demandons ce que nos cœurs désirent. C'est ta destinée que tu demandes à Dieu afin que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Pour saisir ce que ton cœur désire, il faut se battre. Il faut se battre. C'était tes papas. Ça sera difficile pour toi de saisir ta destinée. Bien-aimé, prier Dieu, c'est bien. Mais étant une personne physique, tu dois te battre. Tu dois te battre. Spirituellement, tu es combattu et tu seras toujours combattu. Physiquement aussi, tu es combattu. Alors, pour réussir, pour vaincre, toi aussi tu dois combattre. Si Jésus a été combattu, il a été combattu pour qu'il ne monte pas au Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Alors, comme Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, c'est parce qu'il a combattu. La Bible dit qu'il a vaincu. Alléluia. Amen. Toi aussi tu dois combattre. Et quand tu combats, tu vas vaincre. Parce que tu combats avec Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Bien aimé, ta vie, pour la réussir, il faut combattre. Dieu aime ceux-là qui sont courageux. Ceux-là qui combattent. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez comprendre les Écritures. Dieu a dit: je connais le projet que j'ai formé sur vous. Mais c'est même Dieu qui a dit: je connais le projet que j'ai formé sur vous. A dit aussi dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 17. Il dit ceci: c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Il y a quelqu'un qui me saisit. Amen. Dieu dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le même Dieu, il dit encore que voilà,
Pour gagner ton père, il faut combattre. Donc, il faut combattre pour arriver à ta destinée. Pourquoi tu dois te combattre? Parce qu'il y a quelqu'un qui te combat. Et celui qui te combat, il te combat pour que tu n'arrives pas à ta destinée. Pour que tu ne failles pas la gloire de Dieu. Il sème la fatigue en toi. La Bible dit c'est un voleur. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour détruire. Égorger. Et tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait que toi, plutôt le diable sait que Dieu a préparé quelque chose de bon pour toi. Alors il vient pour les détruire. Il sème la fatigue en toi. Il vient avec sa ruse. Il enlève la force que tu as. Il te dit ceci. Il va à l'église, c'est très bien. Tu pries, c'est très bien. Alors reste toujours dans la position de prière. N'allez pas déposer le CV. N'allez pas faire ceci pour que tu gagnes ta destinée. Parce que Dieu agira toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est pour cela que vous voyez, il y a des chrétiens, ils sont cloués seulement à prier, mais ils ne font pas les démarches pour gagner leur vie. J'encourage les frères et sœurs de se mettre debout, d'aller chercher du boulot, du travail. Amen. Le travail ne viendra pas si toi tu ne te bats pas. Alléluia. Dans 3 Jean. Dans 3 Jean, verset 2, dans verset 3 Jean 2, oui. La Bible dit ça, c'est Dieu qui parle. Je souhaite que tu sois prospère. À tous égards. Donc Dieu veut que tu sois prospère. Dans ta vie, que tu sois prospère. Que les choses puissent aller de l'avant. Mais pour que les choses puissent aller de l'avant, tu dois te battre. Je parle à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Pour gagner même ton mariage, tu dois te battre. Pour gagner ta femme, la femme que Dieu a préparée pour toi, tu dois te battre. Si tu ne te bats pas, tu vas trouver une femme qui n'est pas la tienne. Et nous connaissons cela. Beaucoup de bien-aimés ont trouvé des femmes. Beaucoup de bien-aimés ont trouvé des hommes qui ne sont pas les leurs. Parce que si tu trouves vraiment ta femme, si tu trouves vraiment ton homme, celui-ci ne va pas te faire souffrir. Pas tout le monde n'a pas de mariage, plusieurs personnes dans leur mariage sont devenues le sac de boxe. L'homme fait son entraînement dans le corps de sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que tu n'as pas trouvé ton os. Tu n'as pas combattu. C'était par plaisir, par sentiment.
Beaucoup de bien-aimés aujourd'hui, ils acceptent aussi des hommes, ils acceptent des femmes à cause peut-être d'habillement. À cause de la beauté. Bien-aimé, bats-toi. La femme peut être comme elle est. L'apparence, la parure extérieure, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la parure intérieure. Alléluia. Amen. Alors, pour trouver celui qui est à toi, il faut se battre. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Dieu dit, je veux que tu sois prospère à tous égards. Alors, ce que Dieu veut que tu puisses saisir ta destinée. Et que tu sois prospère. Mais pour que le souhait de Dieu puisse s'accomplir, tu dois combattre parce qu'il y a quelqu'un qui te combat. Celui-ci est en train de mettre des accrochages sur ton chemin pour te détourner de ta destinée. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ils sont détournés de leur destinée. C'est parce que le diable a semé la faiblesse en eux. Au lieu de se battre, il ne bat pas. Ils sont restés assis. Ils sont là assis. Ils sont dans la prière. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Moi, j'encourage. Mais la prière doit être accompagnée par les actes. Si tu veux voir vraiment la puissance de la prière, il faut que ta prière soit accompagnée des actes. Il faut qu'il y ait des actes. S'il y a des actes, c'est alors tu verras maintenant la puissance de la prière. Parce que les actes que toi tu es en train de faire, mais ça va se concrétiser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est faux. Dieu agit. Alléluia. Amen. Comment Dieu n'agit pas. Alors que la Bible nous dit, les cieux et la terre ont été créés par la parole. C'est Dieu qui a créé tout. Alors, Dieu a créé tout seulement pour ton problème, pour ta situation, que Dieu ne va pas faire quelque chose. Amen. 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 Il faut travailler. Il faut se battre. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Dieu dit à Josué, Maintenant, lève-toi. Téléma. Josué chapitre 1 verset 2. Quelqu'un peut nous le dire? Josué chapitre 1 verset 2. Josué chapitre 1 verset 2. Rapidement. Josué chapitre 1 verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. 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 Dieu dit à Josué, maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Les enfants d'Israël, ils étaient là comme guide Moïse. Les enfants d'Israël,
Israël. Bana Israël. Ils avaient Moïse à la tête. Bazaki na Mose liboso. La Bible dit que Moïse mourut. L'espoir des enfants d'Israël était sur Moïse. Parce que c'est Moïse qui les a sortis de l'Égypte. C'est lui qui était à la tête, le leader. Mais Moïse est mort. Le désespoir est rentré dans les enfants d'Israël. Dieu avait promis les enfants d'Israël la terre promise. Alors ils sont pas arrivés à la terre promise. Moïse est mort. Alors ils avaient perdu leur espoir. Ils étaient là assis. Au lieu de se battre, de s'élever. Ils étaient là découragés. Même aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont découragés. Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Oh, bien, laisse-moi te dire. Malgré la situation que tu es en train de traverser, il y a quelqu'un qui est là à côté de toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Bien maintenant, le Seigneur, Dieu a vu Josué. Il a vu que Josué était fatigué, découragé. Alors il dit à Josué, Sikoyo, maintenant, lève-toi. Donc tu as longtemps demeuré assis. Donc tu ne te bats plus. Maintenant, lève-toi. Traverse ce Jourdain. Donc en quelque sorte, en d'autres termes, Dieu a dit à Josué de s'élever et de se battre pour atteindre la destinée. Le Jourdain, c'est le barrière. Ça représente le barrière qui te bloque. Qui t'empêche d'arriver à ta destinée. Maintenant, pour passer les barrières, il faut se battre. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Amen. Dieu va te donner la force de s'élever et de se battre pour la gloire du Seigneur, afin de saisir ta destinée. La vie d'une personne va changer aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie d'une personne va changer. Satan t'a bloqué quelque part. Il t'a enfermé quelque part. Il t'a détourné de ta destinée. Mais aujourd'hui, au travers cette parole, le Dieu que je sers, il te délivrera de cet emprise. Aujourd'hui, les choses vont changer dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Même pour ton séjour, les sorciers qui sont assis sur ton séjour, ils auront chaud aujourd'hui. Ils vont s'élever. Ils vont arrêter de s'asseoir sur ton séjour. Alléluia. 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 Parce que les choses sont en train de changer. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Encore une fois, amen. Amen. Spirituellement, Dieu est en train de combattre. Au moment où je suis en train de parler là, Dieu me fait comprendre que spirituellement, au-dedans de toi, dans ton esprit, tu as commencé déjà à combattre. Alléluia. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 29. Dans Genèse chapitre 29, du 13e verset au 31e. Dans le 13e verset jusqu'au 31e verset.
Suivez bien la lecture, s'il vous plaît. Genèse chapitre 9, verset 13. 29, verset 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur. Non. Ouais, Genèse 29. Genèse 13, oui, c'est ça. Ouais. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui. Il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu, et il fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi, que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec elle ici, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi. Et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore Laban pendant 7 ans, pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Rachel était la femme de la destinée de Jacob. Rachel azalaki mwasi oyo Nzambe aponaka po na ye. Donc avant que Jacob soit né, Jacob abotama, Dieu avait déjà préparé Rachel pour Jacob. Rachel pour Jacob. La Bible nous dit que Jacob avait pour père Isaac. Papa na Jacob comme on a Isaac. Alors Jacob avait pour frère Esaü. Kasi Jacob l'aime de mobile Isaac Esaü. La Bible nous dit Isaac appela Jacob. Le Banzambe m'a dit que Isaac appelait Jacob. Jacob. Il dit à Jacob, Jacob boy, tu ne prendras pas la fille de ce pays où nous sommes. Tu ne prendras pas une fille de ou pour femme ici à Canaan. Tu vas aller maintenant vers Bethuel. Qui est Bethuel? Bethuel est Zali Nini. Qui est Bethuel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bethuel, c'est le père de Rebecca. Bethuel azali papa na Rebecca. Isaac avait pour femme Rebecca. Isaac moi si na ye azalaki Rebecca. Bien aimé, suis-moi très bien, vous allez comprendre quelque chose. Bon, on a malam beaucoup comprendre le mot. Rebecca avait pour enfant Jacob.
et Esaou. Rebecca Azaraki na mwana Jacob na. Maintenant nous parlons de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le papa de Jacob a béni Jacob et il lui dit d'aller dans la maison de Bethuel. Papa na Jacob a pangoli alobie de okene na ndako ya Bethuel. Pour aller chercher une femme dans la maison de Bethuel. Pona okende koluka mwasi na ndako ya Bethuel. Or Bethuel c'est le papa de Rebecca. Nzoka nde Bethuel azalaki papa na Rebecca. Rebecca avait pour frère Laban. Rebecca azalaki na ndeko ya mobali Laban. Rachel c'est la fille de Laban. Rachel mwana ya Laban. Alléluia. Donc Jacob et Rachel, ce sont des frères et sœurs. Et Jacob na Rachel bazalaki bandeko. Et la Bible nous dit que Jacob est allé. Jacob a Je ne vais pas vous relater toute l'histoire. Je veux seulement dans le. L'objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Jacob est parti vers Bethuel. Jacob a Kendaki na Bethuel. Arrivé là-bas, là-bas, habité dans la maison de Bethuel. Mais là-bas, Abanaï Kovanda na ndaku ya Bethuel. Bethuel, c'est le papa de Laban. Bethuel a Zaki Tata na Laban. Et Laban avait ses filles qui habitaient aussi dans la même maison. Quand Jacob est arrivé, ses yeux étaient frappés sur Rachel. La Bible dit que Léa était la seule, la grande sœur de Rachel. Elle avait des yeux attirants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Rachel était belle de taille. Rachel et de figure. Donc Rachel, si tu la vois comme ça, Rachel, si boye, il a l'esprit de t'attirer. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et ça peut être le bande de combat si nous sommes au tal à Igarabouille. Nous aurons les carottes. Il y a d'autres filles aujourd'hui, en bas nos jours. Si tu la vois, tu as envie de l'appeler. Mais bien aimé, faites très attention. De Gomoling a mis ça la keba. Colanda pour la colanda de l'outil à votre entraîneur la boxe. Ne suis pas une personne pour suivre, sinon tu auras un entraîneur de boxe. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Je ne peux pas clamer le Seigneur. La Bible dit. Jacob avait les yeux sur Rachel. Jacob bien mis une étape qui. Donc Rachel, c'est sa sœur. Rachel et Zakim de Boya, Zakim de Bonaï à moi. Alors là-bas, après Jacob dans le service. Mais là-bas, Azoki Jacob dans mon salon. Là-bas a compris que Jacob est venu dans ce pays pour chercher une femme. Laban a ébagué que Jacob a dit pour la moi si n'a pas wana. Alors il dit à Jacob. Mais a dit si Jacob boye. Reste chez moi. Si Kala est pas inangaï. Si chez moi j'ai des filles. Nanda kunanga na za na bana basi. Comme tu es vraiment ma chère. Lokolo zali mosuni nangaï. Et que tu es mon sang. Paul zali ma makila nangaï. Je ne veux pas donner ma fille à une autre personne. Na kopesa mwana nangaï ya moto mosusu te. Je préfère la donner à toi. Na lingina pesa ye et pas ina yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, l'inceste est en train de se préparer. Bozomona inceste zali ko bato basangana ka bozali libota moko. Tata na mama. Alléluia. Makila moko. Yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un peut lever ses bras. Lever, balancer pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, Jacob a pris, plutôt a accepté la proposition de Laban. Jacob a dit que Laban a été salué. Jacob a commencé à travailler. Le travail de Jacob chez Laban. Mon salaire à Jacob n'est pas à Laban. Hein? C'est-à-dire, Jacob a commencé maintenant à combattre pour avoir Rachel. Et Nicolas Baët et Jacob a commencé à combattre pour avoir Rachel. C'est le combat que Jacob a mené pour avoir Rachel. Il y a moi, Zalaki Bitumba. Oh, Jacob a mené comme ça la porte. Parce que c'était une condition qu'on avait donnée à Jacob. Pourquoi Zalaki Bitumba? Oh, et puis ça m'a dit pour avoir Rachel. Qu'il devrait travailler pendant 7 ans. Oh, et Seigneur, qui a ça là, où t'en boule? C'est alors qu'il aura comme
femme Rachel. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Jacob a travaillé pendant 7 ans. La Bible dit que les 7 ans est passé comme c'était 2 jours. Pourquoi? Parce que Jacob s'est donné vraiment dans le combat. Arrivé au bout de 7 ans, Jacob demanda maintenant sa femme. La Bible dit là-bas. Le Banzambe là-bas. A invité beaucoup du monde. A benga ki bato ebele. Ils étaient là. Le soir arrivé. Tamu poko ekomi. Au lieu de donner Rachel à Jacob. Na yamote apesa Rachel na Jacob. Il prend la sœur de Rachel, Léa, il donna à Jacob. Kasi azoki yena Rachel apesi Jacob. Il fait l'inverse. C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Beaucoup de bien-aimés, Satan a détourné leur destinée. Satan a abalu ça. Oh, babongise la kabango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan a destiné, a changé plutôt, a détourné la destinée de beaucoup des enfants de Dieu. Satan a abalu si bah oh babongise la kabango, babongise la kabango. Mais ne te fatigue pas. Parce que tu as un Dieu. Ne te fatigue pas parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas t'abandonner. Ne te fatigue pas parce qu'il y a quelqu'un qui va te fortifier. Ce que ton cœur désire, si bien que tu n'as pas encore, ne te fatigue pas. Mais toi, en tant que tu en auras, continue à te battre. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Le matin arrive. Natongo. Jacob regarda à ses côtés. Jacob a tali peninaye. Croyant qu'il allait voir Rachel. Na aya kanse kabomona nde Rachel. Il voit une autre figure. Amoni elokimusu. Il voit Léa à ses côtés. Amoni nde Léa peninaye. À Laban. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas que j'ai travaillé pour Rachel? Laban lui dit, non mais c'est la coutume. Là-bas, on ne peut pas laisser la petite sœur se marier avant la grande sœur. Mais faites attention à vous m'écouter. Alléluia. Amen. Tu risques de rater ton mariage à cause de coutume. Tu risques d'entrer dans les prisons spirituelles à cause de coutume. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Là-bas, dit à Jacob. Non, si tu veux prendre Rachel, il faut que tu travailles encore 7 ans. Ce qui est ligné aux Rachel, c'est que l'on va qui se laisser sous 7 ans. Jacob, parce que Rachel était sa destinée. Le collage Rachel a zara qui on ne pas bon parce qu'il voulait saisir sa destinée. Le collage zara qui n'a pas ça qu'on simba on ne pas bon visage. La Bible dit Jacob a accepté de se battre. Le Banzambe monisi biso que Jacob a dimaki kopunda. Il a travaillé encore 7 ans. Mais à Sara qui le sousou mbula 7 ans. Et Léa était toujours à ses côtés. Mais Léa zalaka kaka pene na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a travaillé 7 ans. Aye à Sara qui le sousou 7 ans. 7 ans de plus. À Bakisa qui le sousou 7 ans. À la fin de 7 ans. Merci ma mbula 7 ans. Alors qu'on lui a donné Rachel. Maintenant, Jacob avait deux sœurs dans son mariage. Mais Léa n'était pas la femme de destinée de Jacob. Mais la femme de la destinée de Jacob, c'était Rachel. C'est Rachel que Jacob aimait dans son cœur. Rachel mais Jacob a dit que Léa était à ses côtés. Mais Jacob n'aimait pas Léa de son cœur. Jacob il aimait Rachel parce que Rachel était la femme de sa destinée. Bien aimé dans le Seigneur, pour arriver à saisir ta destinée, il faut combattre.
Jacob a combattu. Jacob a bundaka. Jacob s'est battu. Il a tout fait pour gagner Rachel. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour gagner notre destinée. Ne restons pas assis seulement à prier. Il faut prier avec les actes. Nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes assis seulement dans la prière. C'est bien. Mais nous devons travailler. Nous devons combattre. Nous devons aller vers notre destinée. Dieu se manifeste lorsque tu cries à lui, c'est-à-dire lorsque tu travailles, pour Dieu. La prière a une grande efficacité. Mais pour voir l'efficacité de la prière, il faut aussi se mettre en action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. Bien aimé, ne reste pas assis seulement. Tu viens à l'église prier, il faut aussi aller faire les démarches. Il y a plusieurs manières de combattre. Plusieurs manières de se battre. Mais il s'agit de décortiquer au moins deux ou trois manières. Premièrement, c'est par la prière. C'est par la prière que tu vas te battre. C'est par la prière que tu vas gagner ta destinée. 1 Samuel chapitre 1, verset 10 à 12. La Bible nous parle de cette femme qui s'appelait Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme et sa destinée n'était pas qu'elle soit sans enfant. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a destiné pour Anne d'avoir des enfants. Mais il s'est fait. Que Anne n'avait pas d'enfant. Et la Bible nous dit que Anne s'est mise dans la prière. Elle était dans la prière. C'est-à-dire, il combattait dans la prière. Mais elle ne s'était pas arrêtée dans la prière. Anne est allée jusqu'à à faire des actes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vivant. Il est ressuscité. Il a dit à Dieu. Si tu me donnes un fils, je te le donnerai. C'était déjà un acte. Alléluia. Amen. Donc sa prière était suivie de l'acte. Si nous voyons encore cette femme de distinction qui n'avait pas d'enfant, mais malgré cela, cette femme, la Bible dit, cette femme qui connaissait Dieu, cette femme qui priait Dieu, la Bible nous dit qu'elle avait préparé la maison de Dieu. Elle avait soutenu l'œuvre de Dieu. Elle avait soutenu l'homme de Dieu. Sa prière, sa foi était accompagnée des actes. Alléluia. Amen. Et parce que c'était accompagné des actes, elle a vu la puissance de la prière. Elle est arrivée à sa destinée. Deuxièmement,
Yami Bale. Faire les démarches. Kotambola. De se démarcher pour trouver un emploi. Kotambola pour la koluka musala. C'est faire les démarches pour trouver ce que ton cœur désire. Kotambola pour la koluka. Oh, mon thème na yo zali na mokosa. Si nous regardons dans le livre de Marc chapitre 5. Ce qui doit être dans mon canal de Marc chapitre 5. Du 27e verset au 28e verset. Na 27e verset au 28e verset. Nous voyons cette femme qui souffrait de perte de sang. Tozo mona mwasi oyo azali kobungisa makila. Cette femme ne connaissait pas Dieu. Mwasi oyo ayebaki nzambe te. Mais le jour où elle a connu Dieu. Kasi mokolo oyo ayebaka nzambe. On lui a parlé de Jésus. Balobeli na oyo eta Yesu Christ. La Bible dit cette femme a eu la foi. Cette femme a eu la foi. Mais quand elle a eu la foi, elle n'était pas restée dans la maison. Alléluia. Amen. La Bible dit elle est sortie. Pour suivre Jésus. Parce que Jésus passait. Et elle est sortie. Ce n'est pas Jésus qui est venu dans la maison de cette femme. Mais Jésus Christ est venu dans la maison de cette femme. C'est cette femme qui est sortie de sa maison pour aller là où était Jésus. La sortie qu'elle avait fait, c'est les démarches. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Enfant de Dieu, lèvons-nous, allons vers notre destinée. Cette femme s'est levée, elle est allée. Et elle toucha le vêtement de Jésus. Quand elle toucha le vêtement de Jésus, cette femme a vu sa destinée. Elle a saisi sa destinée. C'est-à-dire qu'elle était guérie de sa maladie. La guérison de ta maladie, c'est ta destinée. Dieu dit, je veux que tu sois prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en paix. Bonne santé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Touche Jésus. Fais les démarches vers Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Jacob s'est levé. Il est allé. C'est les démarches qu'il avait faites. Bien-aimé, soyons obéissants à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Encore une fois, amen. Amen. Bien, mais si tu veux trouver du travail, il faut se démarcher. Tu pries, c'est bien, je t'encourage. Mais quand tu pries, ne reste pas assis. Ne reste pas dans le oh, Nzamba. Tu diras que non, Dieu va se manifester. Le travail ne viendra pas te trouver chez toi à la maison. Il faut faire les démarches. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. De comme mettons-nous à la recherche. De saisir notre destin. Lève-toi aujourd'hui. Lève-toi aujourd'hui. Ton mariage est quelque part. Ta guérison est quelque part. Ta guérison est quelque part. Ta délivrance est quelque part. Mais il faut se lever. Il faut se lever. Accompagné de la prière. Fais les démarches. Malgré le temps que ça peut prendre, mais parce que tes démarches sont accompagnées de la prière, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Même les sorciers qui te tiennent là dans la prison satanique.
Mais parce que toi tu t'es levé. Parce que toi tu fais les démarches. Parce que toi tu te bats. Dieu te donnera la victoire. Amen. 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 Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Regarde maintenant ta vie. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur. La Bible dit, Dieu connaît ce qu'il a préparé pour toi. Est-ce que ce dont tu as besoin, ce dont Dieu a parlé, est-ce que tu l'as déjà réussi? Est-ce que tu l'as déjà avec toi? Il te faut te battre. Tu as une maladie. J'espère que tu n'as pas besoin d'être toujours malade. Tu as besoin d'être guéri. Alors Dieu te dit de se lever et de se battre. Aujourd'hui, ce sera la fin de ta maladie. C'est que le monde ne peut pas guérir. C'est que le monde ne peut pas faire. Notre Dieu le fait. Maintenant nous allons prier à Dieu. Nous allons dire à Dieu quelque chose. Nous allons dire à Dieu quelque chose. Avec ton cœur. Avec ton cœur. Tu verras qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Sois concentré. Mets-toi debout. Ne perds pas ta concentration. Ne perds pas ta concentration. Lève-toi là où tu es. Tu es là dans la fatigue. C'est le diable qui te dit de rester. C'est le diable qui est en train de te freiner. C'est le diable qui est en train d'enlever la force en toi. Afin que tu ne puisses pas saisir ta destinée. Tu as un souci dans toi. Réaliser la présence du Seigneur. Réaliser la présence du Seigneur. Alléluia. Après ces cantiques. Bien-aimé, ne regardez pas celui qui est à tes côtés. C'est ton affaire avec Dieu. Après ces cantiques, nous allons tous élever nos voix. Nous allons prier le Seigneur. Chantons,
Yeah.
Bible nous dit, dans le livre de Psaume 34, 6, Dieu dit, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Bien aimé, tu vas déclarer ce matin, je ne vivrai pas la honte dans ma vie. Tu vas déclarer ce matin, la honte ne sera pas mon partage, la honte ne sera pas sur mon chemin. Comment je le déclarer? Alléluia! 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 Et papa, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu peux le déclarer au nom de Jésus, prions. Alléluia. Oh, tu marcheras la tête haute. Déclarer, bien-aimé, déclarer, tu ne veux pas le chef de ta vie. La Bible nous dit, je suis la tête et non la queue. Je suis avant et non avant. Je suis le premier et non le dernier. Je le déclare, je le déclare. Ce matin, je marcherai la tête de mon Dieu, la tête de mon pour mes enfants, la tête de mon pour mon mari, la tête de mon pour cette assemblée, la tête de mon de ma famille. Au nom de Jésus, je ne bouge pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, je raconterai les miracles de l'Éternel, je raconterai les miracles de l'Éternel. Au nom de Jésus, dans mes affaires, la mort ne rentrera pas. Dans mes projets, la mort ne rentrera pas. Pour mon argent, la mort ne rentrera pas. Dans ma famille, la mort ne rentrera pas. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Comment ça déclarer maintenant? Je saisis ma destinée dans le nom de Jésus. Comment ça déclarer? Je saisis ma destinée. Déclare ça dans le nom de Jésus. Je saisis ma destinée. Je saisis ma destinée dans le nom de Jésus. Je saisis ma destinée dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, vive ma maman. Je saisis ma destinée. La destinée de mes enfants. La destinée de mon mari. La destinée de cette assemblée. Je les saisis. Je les saisis. Je les saisis. Je les saisis. Riva mama. Les mamas chétés. Rokanaya balasé. Rokoto chuka mama. Rokokada saya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, là où foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Bien-aimé, tu vas t'élever. Tellement ici que l'on va dire, lève-toi, tu vas commencer à bouger, tu fais les gestes, tu prends la possession de cette terre, de ce pays français, de ce compagnon, là où toi tu viens, prends l'autorité, prends la possession. La Bible déclare, là où foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Prends la possession, prends la
Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as saisi ta destinée. Amen. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre pasteur. Prions le Seigneur. Alléluia. Bénis ton serviteur. Bénis ton serviteur.